Bienvenue dans le Lunch Ride, le podcast par la rédaction de Vojo. Dans ce podcast, on vous parle de VTT, évidemment. On vous parle des sentiers dont on ne se lasse jamais, des personnalités passionnées et passionnantes qu'on rencontre, et on vous parle de nos machines aussi, parfois. Pour ce nouvel épisode du Lunch Ride, on est très heureux d'accueillir quelqu'un qui a déjà tout gagné dans sa discipline. Elle a grandi avec son sport, et elle entame aujourd'hui sa 10e saison d'Enduro World Series. Vous l'avez deviné, on s'est assis quelques minutes avec Isabeau Courdurier. La pilote d'Enduro Lapierre revient avec nous sur ses derniers mois et sur les challenges qu'ils ont représentés pour elle d'un point de vue sportif et personnel. Isabeau a dû se réinventer et se reconstruire après avoir vu sa vie bouleversée au plus profond d'elle-même, en touchant au passage à sa passion même pour son sport. Elle nous a prouvé que peu de choses étaient capables de l'arrêter et elle nous parle de ses projets et de ce qui la pousse à continuer de se confronter à des concurrentes toujours plus fortes. On parle de l'enduro, de ses évolutions, de ce qu'elle aime et de ses anecdotes de voyage. Je vous en dis pas plus, place au Lunch Ride avec Isabeau Courdurier. On enregistre depuis les Deux Alpes et la dernière fois que je t'avais vu, c'était pendant les championnats de France où tu décrochais une nouvelle manche tricolore, une manche de championne de France. Et c'est le début de ta 10e saison de WS. Et c'est toi qui me l'as fait remarquer dans un post Instagram. 10 ans, la première c'était à Punta Ala en 2013. Qu'est-ce qui a changé en 10 ans? Beaucoup, mais pas la passion, donc c'est déjà l'essentiel. Je me fais toujours autant plaisir sur un vélo, donc je pense que c'est la base. Et après, ouais, donc 10e saison en Enduro World et 11 ou 12e saison d'Enduro. D'Enduro tout court. Et quand tu essaies de te reprojeter un petit peu en arrière, est-ce que quand tu te dis je vais faire une course, est-ce que ça ressemble à la même chose qu'aujourd'hui? Clairement pas, parce qu'à l'époque, je partais un petit peu à l'arrache. Pour être très clair, c'était mon père qui m'emmenait sur les courses, enfin, c'était un peu la famille. Et puis maintenant, bah, forcément, le côté plus professionnel, on se déplace avec le team, on a énormément de soutien et on prépare aussi de façon plus assidue les courses. Mais il y a plein de choses qui ont changé déjà, le sport en lui-même. Tu avais parfois des courses super longues, parfois des courses super courtes, parfois des courses plus engagées que d'autres, des courses à l'aveugle aussi. Il y a quand même plein de choses qui ont changé. Je pense que l'athlète que tu étais à l'époque n'est plus la même aujourd'hui. Oui, c'est clair que les courses ont énormément évolué et ce que ça demande, ben, forcément, tout le monde a dû s'adapter. Mais pour moi, la plus grande différence, c'est qu'à l'époque, on partait à vue, sans connaître les pistes en enduro. Donc je me souviens des Trail 10 000 où on faisait des chronos de 2 heures de course sur le week-end où on roulait tout à vue. Et est-ce que c'est quelque chose qui te manque? Parce qu'aujourd'hui, on remarque quand même qu'on a de plus en plus de courses où c'est vraiment gravité, avec plus de remontées mécaniques, où il y a des grandes spéciales en descente, où il y a des reconnaissances. Enfin, c'est autre chose, c'est pas moins bien, c'est pas mieux, mais de ton point de vue, toi, qu'est-ce que t'en penses? J'aime bien les deux, mais c'est vrai que j'aimais beaucoup rouler à vue. On a de temps en temps au championnat de France des spéciales à vue, et je trouve que ça ramène un petit peu ce spirit de l'aventure, tu sais pas dans quoi tu t'embarques, et j'aime beaucoup cet aspect-là. Mais après, d'un autre côté, clairement, si aujourd'hui les Enduro World c'était à vue, je pense que ça serait impossible. On roule beaucoup trop vite, il y a beaucoup trop d'enjeux et pour se permettre de prendre autant de risques à vue sur des pistes. Donc non, je pense que c'est un bon mix d'avoir une seule reco, parce que ça veut dire que tu connais pas par cœur, tu roules quand même encore des sections au feeling. Donc à mon sens, avoir une reco, ça permet d'éviter les dangers, mais on garde cette approche de l'enduro. Tu peux pas tout mémoriser ? Faut être vraiment bon ou alors passer énormément de temps sur les GoPro, ce qui est pas forcément mon cas. J'aime bien garder cette part de flow et de feeling sur le vélo, rouler un petit peu comme ça vient. Parce que je sais qu'il y a des pilotes qui justement passent leur soirée à regarder leur GoPro et à tout mémoriser. Je pense qu'il y a vraiment plusieurs approches. Je sais que bah, par exemple Adrien Dailly qui est dans mon team, lui il aime savoir exactement la piste, la connaître par cœur. Donc il passe du temps, il analyse en GoPro. Et moi ma stratégie c'est de me concentrer sur les endroits qui sont vraiment techniques, difficiles, où la ligne est importante. Et toutes les autres sections où plus ou moins il y a moins de lignes, c'est plus naturel de lire le terrain. Je passe pas du temps à les apprendre par cœur. Après je sais que des fois ça me coûte. Il y a des fois je me dis mince, si j'avais su je regardais plus la GoPro. Et en fait, j'ai déjà une partie de la réponse à ma prochaine question. La dernière fois que je t'avais vu, c'est l'avant-dernière fois que je t'ai vu, c'était à Lourdes en fait. C'était sur une Coupe du Monde de descente. Qu'est-ce que t'allais faire là-bas? Je me suis un peu perdue. T'avais envie de te retrouver débutante à nouveau? Mais c'était ça l'idée. En fait, en début de saison, on a fait un peu de descente. Moi, j'avais jamais vraiment trop fait de compétition de descente. Donc, j'ai commencé avant Lourdes, 3 semaines avant, à Tarouca, sur une Coupe du Portugal. Et en fait, l'idée, c'était vraiment d'avoir une approche un peu différente de la compétition, où il n'y avait pas forcément d'attente. C'était juste moi qui allais, qui faisais un petit peu ce que je pouvais et qui me faisait plaisir.
Et du coup, ça m'a fait du bien. J'ai eu un sentiment un petit peu de renouveau. Et il y a eu vraiment voilà, des bénéfices en termes d'entraînement pur et dur. Par exemple, qu'est-ce que t'as, de quoi est-ce que tu bénéficies après cette expérience-là ? Ben moi, mon gros problème, souvent, c'est la vitesse et les sauts. Et à Lourdes, ben, y avait de la vitesse et il y avait des sauts. Et clairement, les sauts de Lourdes, quand j'ai fait la reco à pied, je m'étais dit, bon, ben là, il n'y a pas moyen, j'oublie direct, je ne saute pas. C'est technique. C'était vraiment des gros sauts et il fallait y aller. Et en fin de compte, ben, petit à petit, j'ai réussi à sortir de ma zone de confort et à passer tous ces sauts-là. Et donc, il y a eu un vrai gain de confiance, de se dire, ok, en fait, non, t'es quand même capable de progresser sur les sauts, c'est pas voué à l'échec toute ta vie. Donc, du coup, voilà, il y a eu déjà cet aspect-là de progression. Et après, c'est vraiment un autre univers, ça n'a rien à voir avec l'enduro, on peut même pas... Enfin, pour moi, c'est deux sports différents. Et du coup, il y a eu tout le travail des lignes, de l'apprentissage de la piste, la connaître par cœur, savoir exactement à quelle vitesse... Mais bon, enfin voilà, j'étais encore vraiment une débutante, je tombe en qualif, enfin voilà, il y a encore beaucoup de travail. C'est vrai que je t'ai croisé avec une visière en moins pendant la, pendant la course. Une petite visière en moins, mais petit doigt déboîté, mais... Ça doit être génial de partir avec, comme à Lourdes, un public en folie, et du début jusqu'à la fin, là, t'es dans un tunnel, quoi. Et finalement, ça a peut-être pu te servir, parce que quand on regarde les premières EWS en Écosse, c'est très nerveux, t'as pas le temps de te mettre dedans, faut que tu y ailles directement, peut-être que ça a été intéressant. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un énorme bénéfice entre la DH et l'enduro. Clairement, il y a un gros gain, que ce soit technique, aussi voilà, mental, parce que l'approche de la descente, c'est encore autre chose, le stress, voilà, puissance 10 000 au départ, comparé à un enduro, où on a plusieurs départs dans la journée. Donc c'est sûr que ça a fait du bien avant la première manche d'Enduro World Series de se mettre un petit peu ouais, une pression, enfin une grosse pression même avec un chrono. Mais après, au-delà de ça, je pense que Lourdes, ça m'a fait du bien dans le sens où j'ai retrouvé vraiment du plaisir sur le vélo ce week-end-là. Et cette notion de me dire non, mais oublie un peu le résultat, les attentes, parce que voilà, j'ai toujours l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui m'attend. Et là, à Lourdes, clairement, il n'y avait personne qui m'attendait. Donc ça m'a fait du bien de voilà, pouvoir repartir un petit peu à zéro pour cette saison. Une cadette. Et en cadette, justement, tu roulais en cross-country, donc t'as fait à peu près tout. J'ai même fait du cyclo-cross aussi, des Coupes de France, donc il me manque un petit peu des disciplines dans le vélo encore, mais bon, je pense que c'est quand même pas demain que j'irai faire des courses de route. Et est-ce que c'est pas justement là-dedans que bah, y a une partie du secret de comment t'adapter à tous les terrains sur les EWS, quand tu vas en enduro partout dans le monde, des terrains différents, des formats différents, des longueurs différentes, des engagements techniques et physiques qui sont différents. Est-ce que c'est pas justement pour être un bon athlète, t'es obligé d'aller faire des piges un petit peu en cross-country, soit quand t'étais plus jeune, en descente maintenant, est-ce que c'est pas un peu ça la recette du succès ? À mon sens, moi, ce qui m'a vraiment le plus aidé à m'adapter et à vraiment être performante en enduro, c'est quand j'étais jeune, je faisais des TRJV. Donc, je sais pas si tu connais ce format. On faisait du coup de la descente, du cross-country, du trial, et même de l'orientation. Bon, l'orientation m'a un petit peu moins servi, à part quand je me perds. Mais pour ce qui est du trial et de la descente, on a vraiment développé des qualités techniques grâce à ça. Et ensuite, bon, je suis partie en cross-country pendant quelques années, mais dès que je suis retournée sur... Enfin, que je suis venue à l'enduro, une discipline plus technique, tout de suite, j'ai rapidement réussi à être assez performante parce que j'avais ces bases-là. Et je pense que c'est ce qui fait la différence entre plusieurs athlètes. La finalité, c'est que tous les athlètes peuvent être voilà, au même niveau, mais disons que le chemin est plus ou moins facile et t'as plus ou moins de lacunes. Et je pense que voilà, avoir de bonnes bases techniques dans toutes ces disciplines-là, c'est sûr que c'est un énorme plus. Après, tu t'es quand même rapidement spécialisée dans l'enduro. Finalement, tu as été une des premières spécialistes, puisque tu dis que tu as été la première EWS, mais que ça fait bien 12-13 ans que tu pratiques. Ouais, tu es arrivée avec ce sport et tombée dedans quand tu étais petite, quoi. Moi, quasi, j'étais ado, enfin, fin d'adolescence, on va dire. J'ai commencé l'enduro, je crois que j'avais 17 ans, mes toutes premières courses, et je me suis vraiment spécialisée à partir de 18. Ouais. Donc, je revenais un petit peu sur ta carrière, évidemment, pour préparer ce podcast, parler tout à l'heure de ce qui va faire ta saison 2022, et on ne peut pas passer à côté de la saison 2021. Il y a une vidéo qui a été tournée par Lapierre qui s'appelle Résilience, et je pense que c'est vraiment le mot juste pour parler un petit peu de l'année 2021 que tu as passée. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi c'était une année particulière pour toi ? Ben, en fait... Déjà, on avait eu en 2020 le Covid, moi j'avais été blessée, donc tout l'hiver, en gros entre 2020 et 2021, je me suis vraiment préparée comme une malade. Donc je pense que physiquement, j'avais jamais été autant en forme de toute ma vie, avec vraiment l'envie d'y aller. Et puis en fait, des fois il se passe des choses qui sont en dehors de ce que tu peux contrôler. Et j'ai perdu mon père un mois avant que la saison commence.
Donc à partir de là, au-delà de la perte de mon père, ça a été un événement assez traumatisant. Et ouais. Du coup, il a fallu se dire, bon ben voilà, c'est comme ça. Comment on avance maintenant, quoi. Le vélo, c'était une grosse partie voilà, qui était liée à lui, parce que ben, comme je disais plus tôt, c'est lui qui m'emmenait sur les compétitions. On a tout fait ensemble, c'était lui qui, en gros, qui m'a vraiment aidé à vivre voilà, cette passion. Mais depuis le tout début, hein, donc ouais. Quand j'avais 6 ans, c'était déjà lui voilà, qui était derrière moi, qui m'encourageait. Mais sans jamais me pousser non plus, c'était vraiment voilà, dans le truc de se dire « Bon, bah, Isa, tu kiffes ça, fais-toi plaisir. » Donc du coup, voilà, gros... Et dans ces cas-là, le vélo, ça te paraît futile? Tu te dis « Pourquoi je fais ça? C'est débile, il y a plus important. » Ou est-ce que c'est une bouée de sauvetage? Bah, là, ça a été un peu... Dans les deux, ça a été assez compliqué en fait, parce que d'un côté j'avais très envie de faire du vélo pour un petit peu m'évader, et d'un autre côté le vélo c'était trop lié à lui et il y avait trop de souvenirs, ouais, c'est ton héritage. C'était pas possible. Donc du coup j'arrivais pas à m'entraîner, j'ai pas touché un vélo en gros bah, jusqu'à ce que je fasse les premières compétitions de la saison, et après en dehors des compétitions j'ai quasiment pas touché un vélo pendant un bon moment jusqu'à ce qu'on ait la coupure. On a eu un petit peu un premier bloc de course et ensuite un deuxième. Donc jusqu'à ce moment-là, je ne me suis pas du tout entraînée, juste je faisais les courses. Il y a un beau cadeau que tu lui laisses quand même en gagnant à Val di Fassa. C'est ça, et d'un autre côté, je me suis dit que s'il me voyait baisser les bras et pas prendre le départ de ces courses-là, en gros, il serait déçu parce que ce n'est pas moi. On m'a toujours appris à jamais baisser les bras, à m'accrocher. J'ai jamais abandonné de course quasiment toute ma vie. Donc en gros, pas prendre le départ, plus ou moins, j'avais pas le droit de lui faire ça. Mais je m'étais juste dit, voilà, tu vas là-bas, tu roules et puis tu fais... Tu fais un peu ce que tu sais faire, quoi. Juste, tu descends, tu te fais plaisir. Et c'est clair que je ne m'attendais pas à gagner cette manche-là. Je pense que c'est une des plus belles victoires de toute ma carrière. Voilà, dans ouais. Résilience, on a eu en plus la chance que Louis capture ce moment-là, parce que ma maman n'était pas sur place. Donc, grâce à Résilience, elle a pu voir ces images-là. Et je pense que voilà, ça fera partie maintenant ouais, de notre histoire. C'est un très très beau souvenir. Et, de toute façon, je pense que c'est trop douloureux et tu peux pas prendre du recul maintenant parce que ça fait que quelques mois. Mais est-ce que tu as déjà l'impression d'avoir appris des choses sur toi en tant qu'athlète, sur ta gestion de ton propre physique, sur ton mental? Est-ce qu'il y a des choses que tu arrives à retirer un petit peu de cette période déjà aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, j'ai une approche vraiment différente et quelque part, je mets moins de pression que ce que je pouvais me mettre avant et aussi par rapport aux résultats. Je pense que ça m'a montré que voilà, dans la vie, y a des choses bien plus importantes que ça et que l'essentiel, en fin de compte, c'est tout le temps d'être heureux et de faire voilà, en sorte de l'être au quotidien. Et que c'est pas parce qu'on va pas gagner telle ou telle course que demain le monde s'arrête de tourner. Donc je pense que voilà, je suis vraiment super contente du parcours que j'ai eu en vélo. J'ai eu la chance d'être championne du monde quand il était encore là, quand il a vu. Donc pour ça, c'était un peu la consécration et vraiment... Le timing était parfait, je suis tellement heureuse d'avoir pu faire ça avec lui. Et après, voilà, aujourd'hui, je pense que ça m'a appris de jamais baisser les bras. Parce que, voilà, en fin de compte, c'est comme ça, hein. On peut pas être au top tout le temps. C'est normal d'être mal. Et je pense que c'est ça le plus gros, c'est un bon enseignement. Le plus bel apprentissage. C'est celui de se dire qu'en fait, dans la vie, tu peux pas être à 100% tout le temps. T'auras forcément des moments durs. Ils sont là, c'est comme ça. Maintenant, faut accepter et se dire que voilà, ça va passer et attendre, et puis ensuite on remonte la pente et c'est parti. T'apprends vraiment beaucoup de choses. Et sur une note un petit peu plus légère, en préparant tout ça, forcément, je remarque en repassant un petit peu dans l'historique que tu as voyagé dans énormément d'endroits, sur énormément de pistes, vous en voyez vraiment tous les week-ends. Est-ce qu'il y a des endroits où tu as vraiment envie de retourner? Est-ce qu'il y a des endroits où tu as vraiment hâte d'aller découvrir les endroits, les spéciales ou les courses, ou tout simplement tous ces endroits-là? Moi, mon endroit coup de cœur, c'est l'Amérique du Sud. À chaque fois qu'on y a été, donc Chili, Argentine, Colombie, j'ai toujours passé un moment assez exceptionnel. Les gens vivent vraiment là-bas la passion à 300% et ils sont vraiment passionnés de vélo. Et j'ai adoré partager ça avec eux. Et les courses, en plus, les endroits me plaisent énormément. Donc je pense qu'on y retournera à l'avenir et c'est des endroits où j'ai très envie de retourner. Et après, destination, c'était hors course, mais on avait fait le Japon. Ouais. On avait juste fait une manche nationale là-bas. Et idem, j'ai vraiment passé un bon moment. Mais en fait, la plupart du temps, mes voyages, c'est grâce aux personnes que je rencontre. C'est ce qui fait pour moi la beauté du voyage. Et justement, moi j'ai des petites anecdotes. J'ai envoyé quelques messages. Et j'ai pas les réponses. Je sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais on m'a juste demandé de parler de ta pochette surprise en Tasmanie. Est-ce que t'as une pochette surprise en Tasmanie et un premier tatouage?
Je me suis pas fait tatouer en Tasmanie. Ah, ça y est, je viens de comprendre. Oh là là. Et c'est parce qu'il dit pochette surprise, mais d'accord, je viens de comprendre. Alors, la pochette est une voiture. Et c'était une voiture surprise où, en fait, j'ai mon meilleur ami qui, à l'époque, était parti en Australie pour voyager, qui est venu voir la course en Tasmanie. Et puis, il m'avait juste dit voilà, qu'il venait seul. Et en fait, il m'a dit, viens dans la voiture, j'ai un cadeau pour toi, machin. Je dis, bon, ok, on va aller voir, hein, qu'est-ce que... Je comprenais pas. Et en fait, dans la voiture, il avait caché mon deuxième meilleur pote. Et j'étais pas du tout au courant qu'en fait, il allait être sur place. Et donc, ça a été assez incroyable de se dire qu'au fin fond de la Tasmanie, j'avais mes deux meilleurs amis qui sont venus voir ma course. Donc du coup, ouais, c'était pas une pochette surprise, c'était une voiture surprise. Bon souvenir. Super bon souvenir. On avait passé un moment exceptionnel. D'autant plus que je gagne ma première manche d'Enduro World là-bas. Quand avec ils sont là. Bon, c'est génial, c'est un bon souvenir ça aussi. Et si on passe à la suite, si on passe à la saison qui arrive, eh ben, ça se muscle un petit peu chez les femmes si on regarde juste la première manche des AWS. T'en penses quoi ? Est-ce que tu vois ça d'un bon œil ? Ah bah bien sûr, enfin, je pense que les gens me connaissent et je suis vraiment pas du tout dans cette mentalité-là. Moi, bien au contraire, j'adore voir voilà, que le niveau augmente, que ça roule de plus en plus fort chez les filles. Je suis toujours en train de faire en sorte que tout le monde voilà, ouais, profite un peu de mon expérience aux plus jeunes qui arrivent en enduro. Donc non, très clairement, je le vois d'un super bon œil. Et même au contraire, moi, perso, ça me rend heureuse de me dire qu'on est dans un sport qui continue d'évoluer et où la place des filles continue de grandir aussi. Et c'est notamment dû au fait que voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est assez ouvert pour aller gagner en Enduro World. Et je trouve ça génial. Ouais, ce qui est chouette, c'est que tu as aussi des filles qui viennent d'un peu partout dans le monde. C'est pas juste une concentration de filles qui viennent forcément de France ou du Royaume-Uni, mais ça vient d'un petit peu partout dans le monde. Mm-mm. Et surtout, toi, en tant qu'athlète, sur quoi est-ce que tu as envie de bosser pour progresser ? Où est-ce que tu as repéré Déjà, je le fais depuis assez longtemps, de me dire, voilà, je fais toujours un peu un bilan et en me disant, bon, ben voilà, tel ou tel aspect, il faut le bosser. Donc, depuis que j'ai commencé, j'ai forcément amélioré déjà un petit peu des choses, mais notamment le travail mental avec un préparateur mental. J'ai mon coach. Pour gérer ce stress, justement, au départ, dont tu parlais, par exemple, avec la descente. C'est plus dans l'approche des courses, même avant ça et au-delà du stress. Et moi, je pense que c'est hyper important, ça donne vraiment des clés. Après, en termes de préparation physique, c'est pareil, je suis suivie depuis maintenant plusieurs années par Nicolas Filippi, c'est mon entraîneur, et on bosse ensemble, et on a vraiment passé des caps. Et ensuite, toute la partie plus ou moins technique, notamment les tests sur les vélos, où je me fais aider par Nicolas Vouillaz et Adrien Dailly dans le team. Donc voilà, ce qui est bien en enduro, c'est qu'en fait, finalement, il y a énormément d'aspects qu'on peut travailler, on peut sans cesse progresser. Et c'est un petit peu sans fin. Tu peux toujours devenir meilleur, et c'est ça que je trouve génial. Et donc après, si je vais être un peu, je vais être un peu tordu, mais sans fin jusqu'à où ? Parce qu'aujourd'hui, tu as tout gagné déjà, si on prend un petit peu de recul. Comment est-ce que tu fais pour rester motivé ? C'est quoi tes objectifs ? Et bien justement, après cette saison 2021 qui avait été vraiment compliquée, et bon, même franchement douloureuse, hein, très clairement, ouais. Et j'avais perdu un petit peu... Ouais, un peu la flamme, l'énergie, l'envie sur les courses, et j'ai vraiment pris beaucoup de recul, et avec mon préparateur mental, et on est vraiment, voilà, on s'est dit, bon, ce qui compte en 2022, c'est juste de se faire plaisir sur le vélo, d'être bien dans ses baskets, d'être épanoui, et en fin de compte, je sais que quand je suis dans cet état-là, je performe, donc l'un va pas dans le... voilà, ça, c'est pas le contraire, au contraire, ça va dans le même sens. Et donc du coup, voilà, en termes d'objectifs, je me suis vraiment pas mis en tête d'objectifs de résultats à proprement parler. Je veux plus, voilà. C'était ma dernière question, mais je vais l'avancer un petit peu. Une saison réussie pour toi, c'est quoi ? Une saison réussie, en fin de compte, c'est quand j'arrive à être satisfaite de la façon dont je roule. J'arrive à être contente sur mon vélo. Je passe de bons moments, je me fais plaisir. Et je trouve qu'en fin de compte, c'est ce qui marque le plus. Ce qui est assez dingue, c'est quand... T'es une compétitrice, t'as envie de gagner quand même. Ben, en fait, franchement, c'est dingue ce que je vais dire, mais en 2019, j'étais limite pas contente de ma saison. Parce que certes, j'avais gagné, mais il y a eu plein de choses que je trouvais à redire sur ma façon de rouler, sur... j'étais pas super bien physiquement, enfin, il y a eu voilà, pas mal de choses. Et puis, tu vois, par exemple, ce week-end en Écosse, pour le coup, je suis super contente de ma course, et je fais troisième. Donc je pense que voilà, il faut toujours regarder au-delà du résultat. Oui, parce que le sport, c'est pas juste le podium. C'est pas juste un résultat, et clairement, tu peux être très mal et gagner, et tu peux être très bien et pas du tout gagner, et pour autant, ce qui compte à la fin, enfin, à mon sens,
ça reste d'être épanoui, et d'autant plus si tu veux durer dans le sport. Ouais, mais il y a beaucoup de boulot, j'ai l'impression, pour t'avoir vu déjà en séance d'essai, que t'es assez besogneuse, assez méticuleuse, t'as ton petit carnet, t'as tous tes réglages. Est-ce que, justement, avoir quelque chose de très scolaire, c'est quelque chose d'important pour toi, ou il y a un peu plus de feeling? Comment tu... sur la partie à la fois technique et sur le reste aussi? Je suis un peu un mélange des deux, donc j'en ai une grosse partie où, ben, comme je te disais, par exemple sur l'approche des spéciales, je vais faire au feeling, parce que j'aime faire au feeling sur mon vélo. Mais ensuite, à l'entraînement et tout le reste de l'année, je suis assez... Ouais, je suis très scolaire, mais c'est peut-être mon côté scolaire qui reprend le dessus. Hein. J'ai fait un bac plus 5, je suis passée un petit peu de temps sur les bancs de l'école, alors peut-être que ça s'est imprégné sur ma façon de faire ensuite en vélo. Mais j'aime que tout soit cadré, j'aime savoir exactement ce que je fais, pourquoi je le fais, et parce que je pense que c'est une façon de donner du sens à tout ça. Je veux dire, si tu pars à l'entraînement, que t'as des fractionnés qui vont limite te faire vomir, mais que tu sais pas pourquoi tu les fais, moi clairement je les ferai pas, tu vois. Ouais. Donc j'ai besoin de savoir exactement pourquoi, et puis c'est ma façon de fonctionner. Et puis voilà, après j'aime bien être très organisée et savoir à l'avance ce que je fais. Et bah tu disais juste avant, le vélo c'est pas juste pousser sur des pédales, et aujourd'hui bah voilà, t'as un statut de championne, t'as une visibilité, tu t'en sers, t'es ambassadrice d'association, est-ce que tu peux en parler un petit peu plus ? Mais je suis surtout ambassadrice d'une association qui s'appelle 50-50. On s'est rencontrés avec Nathalie, voilà, qui est la cofondatrice, sur le Vélo Air Festival. Et en fait, moi, j'avais toujours eu dans un coin de ma tête l'idée de proposer, alors je savais pas la forme, mais en gros, au travers du vélo, d'aider les gens à reprendre confiance en eux. Donc voilà, j'avais pas vraiment trouvé ma cause. Et en rencontrant Nathalie, je me suis aperçue que le projet qu'elle avait, c'était exactement ce que j'avais en tête. Et en fait, Nathalie voilà, travaille depuis plusieurs années sur un programme de reconstruction par le sport qui s'adresse aux femmes victimes de violences. Et je me suis retrouvée dans les valeurs de l'association et dans le fonctionnement. Et du coup, voilà, aujourd'hui, ça fait maintenant plusieurs années qu'on travaille sur ce projet. On a énormément avancé, c'est pas quelque chose qui se fait à la légère. Mais là, ça y est, cette année, on va débuter notre programme et pouvoir accompagner les premières femmes au sein de ce programme. Bon, c'est génial. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu as hâte dans cette saison 2022 ? Qu'est-ce qui te fait envie ? Où est-ce que tu as envie d'aller rouler ? Plus ou moins, j'ai envie d'aller rouler de partout parce que bah, ça y est, je me fais de nouveau plaisir sur mon vélo. J'ai l'impression voilà, d'être redevenue un peu moi-même. Donc, je kiffe un peu de partout, je m'éclate. Et j'ai surtout envie de repartir un peu en Amérique du Nord. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des enduros côté Canada, États-Unis. Et c'est pareil, toujours dans l'idée de rencontrer un peu les gens là-bas. Et après, j'ai aussi envie de faire un petit peu des projets hors compétition, des petits projets vidéo, des petits projets en tant qu'ambassadrice, notamment sur les deux Alpes, des journées de ride entre filles. Enfin voilà, tout plein de petits projets. Bon, ben c'est un bon programme, Isabeau. Eh ben merci d'avoir pris un petit peu de temps et puis on te retrouve de l'autre côté des rubalises très rapidement. Le week-end prochain. Allez, merci beaucoup. Merci. Le Lunch Ride, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, à noter ce podcast et à le partager. Vous pouvez retrouver tout le travail de la rédaction sur vojomag.com, au format papier sur Vojo Magazine et évidemment sur les réseaux sociaux. À bientôt pour de nouveaux Lunch Rides.